après par contre hein. Ah, faut du bruit hein. 1, 2, 3. Il veut pas faire le secours, on va lire le message qu'il lui a envoyé hier soir. Sache que même si je ne le dis pas, je suis vraiment fière de me marier. C'est un rêve que je réalise et avec toi c'est encore plus beau. Tu m'apportes énormément dans mon quotidien. Je ne peux plus me passer de toi, de ta présence, ni celle de Nina. Vous êtes ma famille et je suis vraiment content que tu veuilles porter mon nom. Avant notre histoire, je pensais vraiment que je n'aurais jamais cette chance. Merci de l'avoir rendu possible. Tonton, de l'autre côté, arrête de pleurer. C'est contagieux, c'est chiant. C'est bien qu'elle me fasse car. J'espère que nous vivrons de belles années ensemble. Je te remercie de m'accepter comme je suis. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de toujours facile à vivre, mais c'est aussi ce qui fait la force de notre couple. J'ai hâte de te voir arriver devant l'hôtel et que tu deviennes enfin ma femme. A tout à l'heure, je t'aime de tout mon cœur et ça, je ne te le dirai jamais assez. Afin de sceller leur union, je vais à présent poser la question traditionnelle aux futurs époux. Voulez-vous prendre pour époux Jonathan, ici présent? Oui. 50%. Jonathan, voulez-vous prendre pour épouse Mélissa, ici présente? Oui, je veux. Au nom de la loi, je déclare Mélissa et Monsieur Jonathan unis par le mariage. Certains diront c'est tôt, certains diront enfin, et d'autres diront c'était le bon moment. À vrai dire, il n'y a pas de règle pour se marier, ou bien s'il y en a une, celle de s'aimer. Et je pense que toutes les personnes présentes ce soir, qui vous côtoient, ont été un jour, une heure, témoins de votre amour. Soit par tes paroles, par celles de John, ou bien par vos petites attentions au quotidien. Je souhaite à toutes les personnes présentes ce soir de trouver la personne qui vous regarde comme John le fait avec Mel. Qui supporte ton caractère, il en faut. Et surtout, qui t'aime pour la personne que tu es. Malgré le fait que tu étais peu entouré par ta famille, aujourd'hui tu t'es entouré de ta famille, à toi, celle que tu as choisie. Une pensée pour l'étoile qui brille plus que d'autres ce soir, elle serait fière de la femme que tu es maintenant. C'est ton tour de construire ta famille avec John et Nina. Oh.
Goo nous a dit que le secret d'un bon discours est de commencer par quelque chose de pertinent pour tout le monde dans le public. Alors voilà, sachez qu'après la fin de ce discours, j'entends y servir un verre à tout le monde. Ça, pas de problème. Bon, alors, honnête, charmant, dévoué, charismatique, et bien sûr, beau gosse. Ouais. Enfin bref, ouais. Assez parlé de nous, on va parler de Joe maintenant. On tenait à prendre la parole afin de vous parler un petit peu de Jonathan pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, malheureusement, il nous a demandé de ne pas parler de choses embarrassantes, donc bonne soirée à tout le monde, merci. Salut. Un peu emmerdé avec Coco parce que du coup il y a un verre Pauline, un verre Coco et on sait pas quel verre prendre. Est-ce qu'elle prend Coco? Est-ce que je prends Coco? Est-ce qu'elle prend Pauline? Je prends Pauline? Nous sommes perdus. Faut savoir, Jonathan il est pas très démonstratif, il a un peu ronchon sur les bords, donc finalement ils sont quand même bien trouvés avec Mélissa, je pense. Mais bon, malgré tout ça, elle a quand même vécu de bons moments. Des moments de dispute où on a été obligé de lui faire comprendre qui c'était les patrons. On a pu voir prendre des chemins obscurs. Heureusement, on était là pour le remettre en place quand même. Du coup, nos parents, ils ont quand même eu de la chance d'avoir deux autres fils qui sont quand même assez incroyables. Ils s'en sortent quand même bien. Enfin bref. On te souhaite tout le bonheur dans ta nouvelle vie, plein de bonnes choses. Tu pourras toujours compter sur nous. Quand tu t'engueules avec Mélissa, on est une chambre, quand même. Maman, pleure pas, on t'aime aussi. Du coup, il nous faudrait une palette de vin blanc, s'il vous plaît.